vais venir ouvrir les petites étagères. On va être bon pour installer dans la salle de bain. Fait que ça a l'air assez simple. On met juste deux vis puis on vient juste accoter ça là-dedans. Tout simplement. Fait que ça fait vraiment beau parce qu'il n'y a pas de support en dessous. Moi, je trouve que ça fait comme plus cute. Les tablettes, est-ce qu'on les met côte à côte ou une au-dessus de l'autre ou juste une? Moi je pense que juste une, ça serait beau finalement. Ouais. Une centrée. Ouais. Centrée avec ça, genre. Puis on en mettra ailleurs. Hein. Bon, c'est vrai que je trouve pas ça beau finalement, moi. Et dans Chris? Mais je veux un cadre, moi. Ouais? Ouais. Fait que moi j'ai mis un reste de tofu que j'avais là-dedans, vu que j'ai mis du poulet. Fait que ça va être notre petit dîner simple et rapido. J'ai pas mis une fourchette. Finalement on a pas mis les petites étagères dans la salle de bain parce que c'était un peu trop serré, il y avait pas tant de place que ça, moins que je pensais. Fait qu'on va sûrement juste mettre un cadre dans la salle de bain. Puis les tableaux, on les mettra peut-être ici, sur le muret qui est comme un peu sorti dans le salon. Un coup, on aura comme le divan et tout. Je vais attendre de vraiment voir les meubles là, pour voir si c'est réellement beau. Mais je pense que oui, je pense que ça devrait être beau. Fait que là, j'ai fait du montage pour moi toute l'avant-midi. On va dîner. Puis pour l'après-midi, on va aller étudier. On sait pas encore où, soit un café, soit à l'école. À suivre, mais après-midi d'études, ce sera pour aujourd'hui. Bon, c'est à tout là. Je vous ai pas encore parlé aujourd'hui, on est rendu mardi soir. J'ai filmé un peu ce matin, j'ai défait la vaisselle, rempli la vaisselle. Sinon ce matin j'ai fait un cas pour le cours de cas encore une fois. Puis pour l'après-midi, j'avais un travail d'équipe, fait qu'on s'est rencontré toute l'équipe ensemble pour avancer ça. On va continuer demain et peut-être finir en fin de semaine, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Dans le fond c'est notre examen intra mais qui est en équipe. Fait que c'est pour ça que c'est quand même assez long. J'ai finalement reçu la troisième paire de Burks que j'avais commandé. J'espère qu'ils vont faire, sinon je vais péter une crise de latte. C'est Post Canada qui livrait ça, puis ils m'ont laissé un papier pour que j'aille les chercher au bureau de poste. Je sais pas si c'est le vendeur qui avait sélectionné ça vu que ma dernière paire avait été volée, peut-être. Fait que j'ai dû aller récupérer ça à la poste. Ça fait tellement longtemps que je les attends. Comme je vous dis, c'est la troisième paire que je commande, que je serais pas surpris que ce soit que ce soit pas la bonne couleur ou que ça fasse pas. Donc Spooky, c'est la bonne couleur. Premier bon signe. Est-ce qu'elles vont faire? Elles font, mais très, très, très limite. J'aurais pu prendre plus grand, mais je ne prendrai pas plus grand parce que dans le fond, elles sont pas retournables.
Avis à tous, si je vous les commander. Ils sont juste retournables s'il y a un défaut genre dans la qualité ou quelque chose genre. Ça va être ça qui va être ça pour ces burps là. Ah, je les aime full. J'aurais vraiment pu prendre plus grand, mais tu sais, je peux pas vraiment savoir. Je sais pas à quel point on voit. Ils sont pas trop petites là, mon pied arrive vraiment dans l'intérieur, mais une taille de plus aurait très bien fait. J'ai d'ailleurs toujours pas vendu la première paire que j'avais reçue. J'ai du monde qui m'écrivent quasiment à chaque jour, mais c'est du monde qui gosse et qui finalement les prennent pas, genre. Là, je m'étais sorti du poulet à faire décongeler pour le souper. Sauf que ce qui arrive, c'est que ça a été mis au congèle comme ça, en un morceau, dans le styrofoam dans le fond qu'on l'a acheté. Fait que c'est un peu impossible à séparer. Fait que je vais le laisser un petit peu dans l'évier, le temps que ça dégèle un peu, parce qu'honnêtement c'est pas séparable. Et là, je vous ai pas non plus montré ce qu'on a fait hier de notre soirée. Fait que je vais venir allumer la lumière de la chambre puis vous montrer ça. Là, le lit est pas fait, mais je m'en fous un peu. Premièrement, la base de lit que j'ai montée avec vous, mais je vous ai pas reparlé après. Fait que vraiment, petite base de lit simple comme ça, on pourra venir mettre le linge en dessous. Noir, simple, pas de tête, pas rien. Fait que ça fait que on gagne de l'espace et la porte peut fermer. Puis on a aussi acheté cette douillette là grise, qui est très cute, qui fit d'ailleurs avec les oreillers, le set de drap. J'ai un set de drap gris, c'est le même gris. Celle que j'avais, la blanche, à paire des plumes, genre je sais pas, en fait je sais pourquoi là, je l'ai mis laveuse et sécheuse, puis ça allait comme pas nécessairement dans la laveuse et la sécheuse. C'était vraiment une couette qui allait dans une housse, puis je me suis à un moment donné tanné de l'enlever à chaque fois, fait que je la lavais, je la séchais comme ça, fait que je pense qu'elle a comme brisé. Donc là, elle ouvrait et les plumes sortaient, fait que ça crissait des plumes partout. Fait qu'on a acheté elle qui va au lavage, fait que ça va être la crise de paix. Fait que la chambre commence à prendre forme et ce miroir-là qu'il va falloir accrocher, j'aimerais ça le mettre à l'horizontale ici, je trouve que ça ferait vraiment beau, mais Vic est comme pas certain à l'horizontale, fait que à suivre. Il va manquer les tables de chevet ici et ici que l'on pourra mettre, étant donné que la base de lit est là. Les cadres qu'on pourra mettre en haut pour habiller un peu. Puis il va aussi manquer les rideaux que j'avais commandé et reçu, mais il était trop long, il descendait vraiment trop bas. C'est pas si grave, mais là c'est juste que nous dans la chambre, il y a une plainte de chauffage en bas, fait qu'il allait par-dessus la plainte et donc ça aurait pogné en feu. Fait que je vais retourner ceux que j'avais, j'ai commandé les mêmes en moins long, devrait arriver demain, fait qu'il manquera ça dans la chambre. Je vous avais pas non plus montré ces housses là que j'ai acheté sur Amazon, parce qu'on se rappelle, mes chaises sont complètement décrissées à cause des chats, puis pour vrai, ça fait vraiment bien. Ils sont full belles, full douces, ils fit parfaitement, puis c'était vraiment pas cher, il y a plein de couleurs. Fait que ça va être parfait, comme ça on pourra garder ces chaises-là, puis en racheter éventuellement deux quand on changera la table, mais pour l'instant, ça fait très bien la job. Et là, moi, ce que je vais faire avant que le souper soit prêt, ça va être d'installer les petites tables de chevet dans la chambre, parce que j'ai hâte d'avoir ma table de chevet. Fait que je pense que je vais venir la mettre sur ce mur-là, ici, vu que l'autre bord, elle va être sur ce mur-là. C'est dans le fond, dans ce sens-là, sur ce mur-là. C'est sûr que là, ça aurait été cute. Mais de un, ça va être loin de la base. Puis de deux, je pense que c'est plus beau si on parait les deux bords. On va voir de loin, je pense que ça va mieux voir de loin si c'est droit. Je pense que oui. D'accord. Merci! Trop beau! Fait que j'ai mis ma petite lampe qui est enfin là parce que elle éclaire quand même beaucoup le soir. Fait que celle-là, ça va être parfait. Puis on peut mettre d'autres petites choses ici. Mon sel ici en bas. C'est vraiment cool, j'aime trop. Trop cute.